Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale 40 euros sur mon PC pour vous montrer comment activer le mode Dark. Donc, qu'est-ce que c'est le mode Dark? Le mode Dark, c'est ce qui vous permet d'avoir ceci et hop, paramètres, d'avoir ceci en noir. Donc, ce n'est pas compliqué à avoir, il suffit juste d'aller. Donc, où vous l'avez comme je vais vous montrer, moi je ne l'ai pas eu comme ça, c'est pour ça que je vais vous montrer. Vous allez là, vous descendez et vous allez dans choisir le mode. Choisir votre mode d'application par défaut, vous allez mettre sombre, sinon ça va donner ça. Ça, c'est comme ça que vous l'avez. Moi, j'ai pas aimé, du coup, j'ai foutu comme ça. Vous comprenez pourquoi? C'est dégueulasse. Donc, si vous n'arrivez pas comme ça, je sais que c'est un peu compliqué des fois, vous allez passer par la commande que je vous dis. Donc, vous allez taper Regedit, commande exécutative, vous allez faire. Là, vous ne le voyez pas, mais il y aura autorisé cette application à apporter des modifications sur votre appareil. Vous allez faire oui. Donc là, normalement, vous le voyez de nouveau. Donc, une fois que vous êtes là. Ah, donc oui, là, c'est la commande après. Donc, il faut aller là. Hop. On va faire comme si je n'y étais pas. Comme si je n'y étais pas. Ordinateur. Donc, on va dans ordinateur. On va dans Inkey. HK Current User, vous allez là. Après, vous allez dans Software. Là, voilà, Software. Ici où j'ai mon curseur. Après, vous allez dans Microsoft. On descend hein, parce que. Excusez-moi, mais je connais pas tout par cœur. Excusez-moi, je l'ai passé. Microsoft, voilà. Ici. Après, vous allez dans Current Version. Excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà. Non. Hop, hop, on descend, Oui, parce qu'il y a beaucoup de dossiers là-dedans. Current version. Windows d'abord, j'avais oublié complètement. Windows, current version. Une fois que vous êtes là, vous allez aller. Ah, je bug. Excusez-moi, les amis. Donc, current version. Attendez, on va pas tout le monde qui est. Voilà. Donc, current version qui est ici. Après, une fois que vous êtes dans Current Version, vous allez descendre. Donc, vous allez chercher Thème. C'est classé par ordre alphabétique. Donc, c'est pas si compliqué que ça à trouver, mais faut pas le passer. Voilà. Donc, rien n'a été. Donc, on va chercher Thème. Voilà. Ici. Après, une fois que vous êtes dans Thème, vous allez dans Personnaliser. Et thème max plugin. Voilà, ici. Personnaliser, hop, thème, tac, tac. Voilà, ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez taper cette commande ici, qui est là. Je vous laisse la regarder. Mettez pause. Voilà, il faut taper cette commande. Vous allez redémarrer votre PC. Et tout va fonctionner nickel, les amis. Vous aurez le mode Dark d'activer. Et normalement, je crois que vous pourrez le modifier directement par là. Et au pire, vous refaites la même manip. Vous allez réagir. Dites. Voilà. Hop, commande exécutable. Oui. Et vous supprimez le dossier. Enfin, juste le. Non, pas tout le dossier personnalisation, mais juste le petit dossier. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le pouce bleu, à partager, à commenter et à vous abonner. Franchement, les amis, on est bientôt 80. N'oubliez pas que je vous ai promis les 30 coffres pour les 80 abonnés. Allez, ciao, ciao.